l'angle de la comme varié. C'est comme ça. Maintenant, l'angle de l'homme, lui, c'est un verbe à terre. Il incombe à l'homme, qui s'appelle le rapport social, de venir arroser cet ongle. De venir donner cette inspiration, cette pluie-là, cette inspiration à quoi? À la terre, pour qu'il se sépare de lui, pour qu'il se sépare de lui le 6 de carbone. Sinon, dangereux, très dangereux. C'est comme ça. Et si la dose n'est pas entre les deux, c'est encore très grave, très dangereux. Parce que quoi? Il n'a pas quoi? Il n'a pas cette paix, il n'a pas cette paix si c'est là pour couper les ongles. Alors que les ongles sont quoi? Alors que les ongles sont quoi? Sont la voie euphrasie. Les ongles qui poussent, qui dévorent là, qui dévorent là, c'est la voie euphrasie, c'est la désobéissance. Donc, en lui toujours la quoi? En eux toujours, en lui toujours la quoi? Il a le 6. Il a le carbone qui est là. Très dangereux. Maintenant, vous allez me dire comment que pourtant là, l'homme et la femme, l'homme et la femme ne sont pas mariés, pourtant lui il a quoi? Il a quoi? Il a pourtant ils produisent, ils font des bébés, ils font des enfants. Ou bien ces enfants, c'est parce que quoi? C'est ce qui explique quoi la contagion. C'est juste une contagion. C'est juste une contagion. C'est comme ça. Une contagion. Une contagion. Et c'est une fécondation. C'est une fécondation in vitro. Et je pense que j'avais expliqué ça. C'est ce que j'ai expliqué. Le chat et la chatte. Le chat et la chatte. Vous n'allez jamais le voir tel que l'amour. Jamais. Oui. C'est comme ça. Mais le chat, c'est un 6. Le chat, c'est le carbone. C'est lui. Il est quoi? Il est quoi? Il est de l'ongle là. Donc il déborde là. Ce nom qui déborde, c'est la voie écrasée. La voie écrasée, c'est un voilou. Donc en lui, il est possédé par quoi? Il est possédé par le 6, par le chat. C'est comme ça. Et le chat, alors, il est posé par le chat. Le chat. Et ça peut faire la chatte. La chatte, elle fait quoi? Jusque-là à côté de vous. Jusque-là à côté de vous. Ça crée une contagion. Donc, ça crée une contagion. Donc, vous concevez, pour le poisson propriétaire, vous concevez une grossesse. Vous concevez une grossesse. Elle entre en vous. Vous concevez une grossesse. Et cette grossesse-là, l'enfant qui est dedans là, on le récupère. C'est pas ça? C'est le chat. Le chat, dès que le chat est à côté de vous, qu'il est devenu le chat, dès qu'il est à côté de vous, ça crée une contagion. Ça crée une contagion. Une contagion. C'est comme ça. Et si vous tombez grosse. Vous tombez grosse. Maintenant, l'enfant là, l'enfant de la grossesse là, le chat prend l'enfant et puis met ça quoi? Bien met ça, ça peut mettre la chatte. C'est comme ça. Et la chatte élève l'enfant. Jusqu'à ce qu'elle conçoit. Elle accouche. Comme ça. Et cet enfant là, cet enfant là, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est l'enfant qui naît entre quoi? Entre l'homme et la femme, qui ne sont pas mariés. Cet enfant là, c'est un chaton. C'est comme ça, c'est un chaton. C'est comme ça. C'est un bâtard, c'est un chaton. C'est comme ça. C'est pourquoi très dangereux de faire le sexe. Très dangereux de faire le sexe avant le mariage. Très dangereux. C'est comme ça.